S'il te plaît, Hugo. Parle-moi. Regarde-moi, je t'en prie. J'ai besoin de toi. Amicia, on peut pas rester là. Il refuse de me parler. Il faut partir. Hugo, réponds-moi. Amicia, il faut se mettre en route. Et où veux-tu qu'on aille? Sur le port. On n'a plus rien à faire ici. J'ai besoin de calme. On se trouvera un abri au calme. On n'y arrivera jamais, Lucas. Jamais. Jamais on ne trouvera la moindre paix. Regarde-le. Regarde. Je passe devant. Ne pense à rien. Suis-moi, c'est tout. Je vous emmène. Vous pouvez compter sur moi. Je vous porterai s'il le faut. Mais je vous sortirai de là tous les deux. Respire bien à fond. Et lève-toi. Tu vois que tu peux. Allez, Hugo. Bien. Maintenant, je vous sors de là. Ton bras? Mon épaule. Il faut la replacer. Vas-y. Ne bouge pas. Ça va faire mal. Veille sur lui. Je ferai vite. D'accord. Il doit y avoir un moyen de sortir. Regarde, là-haut, une ouverture. On peut passer par là. Comment on va? À l'étage. Il y a sûrement des choses qu'on pourrait utiliser. Je vais voir. Reste avec lui. Amicia, tu es toujours blessée. Essaye de le ramener. Fais ce que tu peux. Je t'en prie. D'accord. Mais ne t'éloigne pas trop. Bon, Hugo. Je pense que tu peux m'entendre. Je suis désolé. J'ai besoin de savoir si tu vas bien.
La peau est pâle. Les marques de la macula, en revanche, semblent s'étendre. Ça reflète sûrement sa diffusion dans ton esprit. Laisse-moi voir tes yeux. Pupilles pas dilatées. Il clignait à peine. Tiens bon. Tu dois tenir. Ce n'est pas seulement le choc, c'est la macula. Alors, il va pas revenir? Pas encore. Utilisons cette chose. Allez, Hugo. C'est coincé. C'est beaucoup trop haut. C'est le seul moyen, Lucas. Amicia, on pousse. Voyons ce qui est derrière. Tuera le soleil. Quoi? Tueur de soleil. Le dévoreur de lumière. C'est la nébula dont parlent les écrits. Elle existe. C'est chez moi. Non. Non! Ce n'est pas chez toi. Hugo, regarde-moi. Ce n'est pas lui, Amicia. C'est la Macula qui parle. Elle veut combler le vide laissé par la mort de votre mère. J'aurais dû la sauver. Mais ce n'est pas encore fini. Tu m'entends, Hugo? On va retrouver ce bâtard de comte et le massacrer! Non, assez! Amicia, on doit quitter cette île maudite et l'emmener très loin d'ici. On va le perdre, Amicia, concentre-toi! Tu dois le faire revenir. Parle-lui, empêche-le de sombrer. Il a besoin de toi. D'accord. D'accord. Tu
Restez près de moi. Nébula est partout. Fais attention à ta torche. Oui. C'est de ça dont je parlais. N'approche pas des vapeurs. Ça brûle. Reste prudente. Il y en a encore. Je les vois. Attention. C'est pire que tout. Avec la Macula se renforce. Je sais que tu es toujours là, Hugo. Je t'en prie, tiens bon. On doit y aller, vite. Oui. Viens, Hugo. Non ! Je reste. Cet endroit n'est pas bon pour toi. Ici, c'est chez moi. Ici, c'est ma maison. Arrête ! Tu viens avec moi. Que tu le veuilles ou non, c'est clair. Vous entendez ? Il vient avec moi ! Tu les as mis en colère. Ils arrivent ! Courez ! Là ! Longez bien le mur ! Tu vois ? Il y a encore de la lumière. Ce n'est pas fini. Allons-y.
Oui, je suis prêt. On doit encore atteindre le port. Il y a quelque chose d'étrange avec la mer. La terre a disparu. C'est moi. Non. C'est de ma faute. C'est celle d'Hera. C'est moi. C'est moi qui ai fait tout ça. Non. C'est le comte et la comtesse. Partons. Partons loin d'ici. Seigneur, les secousses sont amenés ces maudits œufs à la surface. Oui, ils sont encore là. Toujours. Toujours dans ma tête. Hugo ? Laisse-le, Amicia. C'est pas vous qui commandez. C'est moi qui commande. Obéissez-moi. Vous m'entendez ? Obéissez-moi. Très bien. Je crois qu'ils t'ont entendu. Je ne t'avais jamais vu faire ça. Parce que ça fait mal. Je suis désolée. Tu as hérité d'un nouveau titre, Amicia. Le comte est toujours vivant et continue de répandre ses mensonges. Ils sont à nos trousses. Faites attention. Même pas le fond. Je préfère ne pas savoir.
inutile de fuir. On est découvert. C'est pas... C'était pas prudent, ça. Reste hors de vue. Sortez de votre trou. Il vient ici. Attends un peu que je te trouve, toi. Ça doit être une de leurs ruses. Inutile de vous... Ces imbéciles doivent être par là. On doit se cacher. Oh non!
mort! Je vois un bateau là-bas. Oui. Oh, pitié, sois en vie, pitié, sois en vie. J'arrive pas à croire que la comtesse est morte. Il paraît que le comte est complètement abattu. Il viendra même pas à la pendaison. Ils ont construit une potence sur la place du port pour Arnaud. Ils pendent la muraille? Merde, j'aurais bien aimé voir ça. Ah ouais, moi aussi. Il est pas mort. On doit l'aider. On n'a pas le temps. On est obligé d'y aller. Vraiment, même après ce qu'il a fait. D'accord. On doit aller au port de toute manière. On récupère Arnaud et on se tire de là. Descends prudemment. Oui. Nous sommes repérés. Avec moi.
faut croiser quelqu'un qui ne veut pas nous tuer. Ça, je sais où vous êtes. Reste hors de vue. Ils ne peuvent pas s'échapper. Traquez-les. Ils nous tiennent. Comment ils ont pu... Je les tiens. Venez par ici. On est découvert. Thank you.
Prenons pas de inquiétude. Jour radieux, tu parles. Ça ressemble plutôt à l'enfer sur Terre. L'enfant nous sauvera. C'est l'enfant qui nous a fait ça. Il l'a fait à cause d'elle. Mais le con lui apprendra. C'est sûr.
sont partis par là. Je le sais. Il vient ici. Ils nous ont détectés. Voyons ce qu'il contient. Il a tenu. Oui. Maintenant, où est Arnaud ? Il faut aller plus vite. Ils vont le tuer. On fait tout ce qu'on peut. S'il le tue, moi je les tuerai tous. On va devoir sauter. Oui.
ça, les gars? Ce port hurlant est tout calme maintenant. Bon sang. Allez, il faut se rapprocher. Alors c'est lui, le fameux Arnaud. Celui qu'on appelle la muraille. Oui. Et on doit le sauver. Même s'il ne le mérite pas. Je vois. C'est une sacrée troupe que vous avez réunie là. On monte. Monte.
descendre la charpie. Des enfoirés en armure arrivent! T'as fait assez de dégâts? Oh non! Hugo! Reste là! C'est terminé maintenant. On y est arrivé, Hugo. Oui. Respire. Calme-toi maintenant. Allons libérer Arnaud, d'accord? Oui. S'il vous plaît. Alors allons-y. Hugo dit que c'est à lui. Sophia ! Vous en avez mis du temps. Tous à bord. Allonge-toi dans un coin. Attends. Et ta mère? Elle reviendra pas. Il faut partir. Vite. Je vois. Je m'occupe du reste. Toi, viens. Elle ne reviendra jamais. Je sais. J'aurais voulu lui dire des tas de choses. Moi aussi. Mais elle savait. Elle savait déjà tout. Tu étais le plus beau des cadeaux. Elle t'aimait tel que tu es. Tel qu'elle t'a fait.
On va vivre. Et on va guérir. Nos blessures. On doit les garder. Pour ne pas oublier. Pour les accepter. Jusqu'à ce qu'elles ne fassent plus mal. Je ne pensais pas qu'on reviendrait. On n'est pas tous revenus. Mais il ira mieux maintenant. Comme nous tous. Je suis là si tu as besoin de parler. D'accord. De l'air frais. Il vaut mieux ne pas te réveiller après tout ça. Comment est la vue ? C'est beau. À quoi tu penses ? Tu crois que je suis différent ? Eh bien, je ne sais pas. Tu as faim ? Hein ? Oui. Alors, tu es toujours toi. Je me sens... différent. Tout... tout a l'air différent. Ça s'appelle grandir. Certaines choses font grandir plus vite. C'est vrai? Oui. Mais on va calmer les choses maintenant. On va prendre tout le temps qu'il faut. J'ai hâte d'être dans la montagne. Bientôt. Très bientôt. On rentre à la maison, Hugo. Notre maison. Oui. Salut. Bien dormi ? Je me suis réveillée en pensant être morte. Un grand classique. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Ma mère... elle avait une maison. Une vieille maison dans les montagnes. Je lui ai promis qu'il pourrait être heureux. C'est là qu'on ira. C'est une bonne idée. Tu seras toujours la bienvenue. Même si tu n'aimes pas l'altitude. Eh, les gens changent. Je pourrais dormir des semaines. Je rêve d'un bain aussi. Hey. Oh, hey. Comment tu te sens ? Toi d'abord. C'est comme... après un rêve étrange. Un rêve horrible. Mais je pouvais pas me réveiller avant de l'avoir fini. Transformé. Comme... une renaissance. Il y a une nouvelle maison qui nous attend, Lucas. Est-ce que tu viens avec nous ? Eh bien... je dirais... que Hugo et toi, vous êtes ma maison. Alors... oui. On est heureux de t'avoir à nos côtés. Amicia, viens voir. Hé, hey, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il va bien? Qui sait? Et si on lui demandait directement? D'accord. Tu es vivant? À ton avis? Les morts, ça parle pas.
Bien vu. Et... je suis désolé pour... pour tout ça. Merci d'avoir convaincu ta sœur de m'aider. Tu m'as sauvé. Ça alors, tu t'es enfin décidé à être gentil? Me le fais pas regretter. La guerre est finie, Arnaud. On a tous mérité un peu de repos. Tu devrais essayer, toi aussi. Hé ! Un bateau ! Oh non, c'est le comte ! Il est en train de nous rattraper ! Tu vois, c'est le problème avec la guerre. C'est pas toi qui décides quand elle s'arrête. Non, non, c'est pas possible! Va à l'intérieur, Hugo. Tu seras à l'abri. Reste à la barre! On va hisser la voile! Un missile, par ici! Avec moi! Occupe-toi de la corde de l'autre côté! D'accord! Reste dans la cabine. Allez! Plus vite! Ce salaud veut pas lâcher le morceau! Il faut les distancer! S'ils nous abordent, c'est fait! Viens! Ils continuent de gagner du terrain! Oh non, oh non! Qu'est-ce qu'on fait? On est la voile dans le sens du vent! On a besoin d'un meilleur angle! Je vais te donner du mou pendant que tu tires vers toi! Oui! On n'a pas le droit d'échouer, Arnaud! Aucune chance! Ça marche! On prend de la vitesse! Mais ça ne suffira pas! On ils arrivent! Chargé. Jetez de la cargaison à l'eau! Tout de suite! Donne-moi un coup de main, Amicia! J'arrive! Oh! Désarçé! Baissez tous la tête! M'occupe du chargement. Vas-y! D'accord. Tiens bon, j'arrive! Vous pensiez vraiment vous enfuir avec mon enfant? Ce n'est pas ton enfant, espèce de fou! Touche-le éternellement, Victor! Ne faites pas de mal à l'enfant! Tuez tous les autres! Ah, vous avez entendu le con? Tirez! Allez au diable! Touche! Non, non! Ne meurs pas maintenant! Non, on peut y arriver. Ah, non.
moins en moins. C'est tout ce qui compte. Non. Ouvre-toi. Arnaud. Ils sont trop nombreux. On y a... Viens, Amicia. Ne sors pas. Tirez. Non. Amicia, non. Amicia. Amicia. Tu l'as tué. Hugo, viens avec moi. Hugo, viens ici! Oh, désolé, petit. Les rats ne t'aideront pas ici. Non! Voyez ce petit être si fragile. C'est bon! T'as gagné! Ne le tue pas! Le tuer? C'est le fils d'Emily! Mon fils. C'est un dieu. C'est un fléau, Victor! Tu dois le laisser s'en aller! Avec sa sœur! Non! Je le dois à Emily. Avec elle, j'étais si sûr que ce monde portait autre chose que le sang, la guerre, que je pouvais étouffer cet incendie qui couve. Mais en vérité, les gens comme nous viennent au monde pour attiser les flammes. J'ignore ce que tu veux faire, mais tu échoueras. Il causera ta perte. Cet enfant fera ce que je lui ordonnerai. Nous plongerons ce monde dans les flammes. Et je bâtirai un empire sur ses cendres. Un monde bien meilleur. Reviens ici, lâche! Tu me dois du sang! Je me suis déjà acquitté de ma part. Tout ce qui compte, c'est que mon fils se repose. Achevez-le! Maudit, espèce de sale porc! Chut! Ne crie pas! Pour la douleur, on s'en sert sur les champs de bataille. Hugo! Je suis désolé. J'ai rien pu faire. C'était le plongeon ou la mort pour nous deux. On doit aller le chercher. Le comte sait de quoi Hugo est capable. Il faut le retrouver avant qu'il le fasse souffrir encore plus. Partons. Sophia et Lucas sont partis devant pour trouver des chevaux. Serre les dents. Ah, bon sang. Je sais. Accroche-toi. Ça fera vite effet. Le comte, il a dit quelque chose? Tu lui as brisé le cœur et maintenant il veut la guerre. Il compte utiliser ton frère pour conquérir le monde. Il ne restera plus rien à conquérir. Je sais. Sophia et Lucas? Secoué, mais ça va. Le garçon, c'est lui qui a nettoyé tes plaies. Il est doué. Ils sont partis trouver des vivres à l'épave. Je suis si heureuse qu'ils soient en vie. Ils seront contents de te voir. Par ici, viens. Doucement. Ne va pas rouvrir cette blessure. Oui. Je crois que ta potion commence à agir. Quand je pense que j'aurais pu tuer cet ordure de comte. Tu ne pouvais pas gagner ce combat, Arnaud. Il est foutu. Il naviguera plus jamais. Un bateau, ça se remplace. C'est la mère qui compte le plus pour Sophia. Tu comprends? Concentre-toi sur le plus important, avant de le perdre.
Merci. On va le retrouver. Tu parles comme un vrai chevalier, Arnaud. Non. Décidément, vous n'arrêtez pas de me surprendre. Où est mon frère, espèce de salaud ? Il va rester en lieu sûr. Jusqu'à ce qu'il soit prêt à servir. Jusqu'à ce qu'il voie ta tête dans un sac. Jusqu'à ce qu'il sache que ce monde doit brûler. Arthur ! Je m'occupe de lui. C'est hors de question. Écoute-moi un peu, tête de mule. Pourquoi ? Pour que t'aies droit à ta petite vengeance ? Pour que tu puisses sauver ton frère, je vais lui faire avouer où est Hugo. Couvre mes arrières et reste en vie. Ce chien est à moi. Tuez la fille. Je suis avec vous, monseigneur. Les renforts arrivent. Attention, ils sont ici. Lucas, tu es blessé? Non, on ne peut pas bouger. Surtout, reste en vie. On va vous sortir de là. Qu'as-tu fait, les garçons? C'est mon fils, maintenant. Mon arme sacrée. L'enfant est avec nous, maintenant. Tu ne finiras pas sous l'œuvre funeste, profanatrice. Oh, on va voir ça. Mais avant, je vous éliminerai tous. Au nom du ciel, tu es là. Je m'en charge, mais tout de suite. Les Molinets, gamin, t'es plus fort qu'ils ne seront jamais. Où as-tu emmené mon frère? C'est livré à la Macula. Marseille. T'as amené l'enfant à Marseille après ce qu'il a fait à ta foutue île. La ferme. Je ferai le nécessaire.
Monsieur, c'est trop tard! Maintenant, tout le monde est condamné et il... Arno! On doit partir, vite! Vous ne partirez nulle part! C'est quoi cette saloperie? Pauvres idiots! Affrontez la vérité pour une fois! C'est votre dernière chance! Pourquoi reprendre les armes aux côtés de cette sorcière, Arno? Pour remplir le temps, c'est pas ton fils! Ne parle pas de lui! Son sang est sur tes mains! C'était la guerre! Tu nous as abandonnés à l'ennemi! Mais tu peux te racheter ici et maintenant! Fais preuve de noblesse! Mets fin à cette folie! Et laisse partir le garçon! C'est la folie qui fait tourner ce monde! Mais je réglerai ça à ma façon. Comment êtes-vous toujours en vie? Je vous tuerai tous s'il le faut. Vous n'aurez rien du tout si vous ne me rendez pas, mon frère. J'ai pas envie de te tuer. Mais je vais te laisser juste assez de souffle pour me dire où tu as caché Hugo. Oh, d'arrogante! Monseigneur, il faut évacuer. Non, finissons-en. Tu es la fille. Et laissez de tous vous sauver, Jean-Curier! Puisse la foi guider mon bras et nous mener au jour radieux! Émilie est morte! Elle était la seule chance de ce monde! Maintenant, agenouillez-vous devant moi! Je n'y vois plus! Donc, nous vivions en paix! Mais vous avez tout détruit! Vous êtes entre... Tu as tout détruit toi-même avec tes mensonges! Ta technique est tellement grossière! Tu as passé trop de temps à t'entraîner avec la racaille! Ces hommes étaient meilleurs et tu ne le feras jamais! Tu es trop vieux, Arno, trop vieux pour te battre! Et toi, tu n'es qu'un chien trop stupide! Amicia! À toi! C'est terminé! Qu'est-ce que je peux faire? Arrête de beugler. Pardon, je... Supplie, non. Non. L'heure est venue. Et tu m'as permis de finir en beauté. C'est un bon petit gars. Thank you.
tuera le soleil. La nébula. Joli coup. Vieil imbécile. On te doit tous beaucoup. Elle est partout. Les rats vont tout envahir. Il a rendu sa sentence. Tu crois qu'on a encore le temps ? Quelle importance ? Allons-y. Laisse-moi faire. Je vais prendre les rênes. Il faut bien que je m'occupe. Combien de temps jusqu'à Marseille ? Pas tant que ça, je dirais. Amicia, tu te sens bien ? Non ! J'aurais pu ! Tu n'aurais rien pu faire. Je ne sais même pas comment tu tiens encore debout. T'as fait tout ce que tu pouvais. Il le savait, Amicia. Sans compter que tu lui as donné ce qu'il désirait le plus. La mort du comte ! Non. Quelqu'un a aimé. Un vrai but. Oui. Il a sacrifié sa vie pour nous. Je ne le laisserai pas être mort pour rien. Trouvons vite où est Hugo ! C'est le souci. Marseille est une sacrée grande ville. L'explosion de Nebula a dû laisser des traces. J'ignore ce qui se passe là-bas. Mais Hugo doit se trouver à l'épicentre. Comment peut-on savoir s'il est encore vivant ? Il y aura des signes. J'espère. Waouh ! Ce genre de signe ? Oui, c'est lui ! Mais ce n'est pas de très bon augure. C'est quoi ce bruit ? Ça vient de la ville. Ça vient du sol. On la trouve et on file. Courez ! Il s'est passé une chose terrible en ville. Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Fuyez dans les collines. Non ! Non, vers la mer. Trouvons une barque. C'est quoi ces secousses ? Assez ! Les portes de l'enfer se sont ouvertes. Marseille est perdue. C'est... le chemin ultime de la Macula. Nous sommes tous allés ! Il faut faire demi-tour ! Il faut retrouver maman ! Lève-toi ! Je t'en supplie, lève-toi ! Je ne peux pas ! Ma chambre ! Il le faut ! On a besoin de plus de monde ! T'es sûr que ça tiendra ? Marseille ! Ils sont en train de barricader la porte. Pourquoi ? Parce que ces secousses viennent de l'autre côté. Mais les gens encore à l'intérieur ! Ils sont déjà morts ! Continue ! Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a une autre porte plus loin, mais ces bottes de paille sont sur le chemin. Attendez ! On a ce canon ! Tu sais t'en servir ? J'en sais rien ! Attends, tu pousses là ? Ça doit être ça. J'ai compris ! Je crois ! Alors vas-y ! Ah ! C'est... du feu grégeois ? Oui, le comte a récupéré des chariots de l'ordre. Et donc on va au-delà de ces murs ? N'y pense pas pour le moment. Allons-y, Sophia. C'est parti ! Ces secousses ne viennent pas du sol ! Non, elles viennent des remparts. On dirait des battements. Tu imagines combien elles sont ? Alors c'est comme ça que ça commence. Quoi ? Notre châtiment. Ils sont trop nombreux. À la suite.
Hugo. Sophia, par ici. Est-ce que ça va? À ton avis. On y est. Je ne connais pas Marseille. Oh. C'est vraiment charmant, cette saison. Allons retrouver mon frère. Et moi qui te pensais invincible? C'est pas le cas. J'ai parfois tendance à l'oublier. Lucas. Je veux te dire que c'est un honneur de t'avoir à mes côtés. Tu es la personne la plus fiable, loyale et gentille que j'ai connue en ce monde. J'en sais rien. Mais... vous êtes ma famille. Vous dites tout ça parce que vous pensez que c'est la fin? Vous avez encore plein d'années devant vous, alors restez en vie. C'est un ordre, compris? Tellement mieux que ce qui lui arrive. Maintenant, fais attention à toi. Il ressemble à une vraie armée. C'est le cas. Maintenant qu'Hugo est devenu leur chef. Ça a toujours été son jeu préféré. La conquête. Eh ben, c'est un rêve qui se réalise. Bien, mettons-nous au travail. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On se met au travail. Regardez qui s'en est sorti. Un œillet. C'est la première fleur qu'Hugo m'a offerte. Juste avant qu'on te rencontre, Lucas. Je me sens vieux maintenant. Cette fleur va sûrement lui ramener le sourire. Plonger là-dedans. Je suis désolée. C'est pas grave. Je me suis assez amusée, j'imagine. Et mon bateau est fichu, de toute façon. Dis-moi seulement si on a une chance. Si on arrive jusqu'à lui, peut-être. Mais ce sera une longue plongée. Écoutez, j'y vais. C'est à moi de... Amicia, nous avons besoin de tout ce qu'il relie à ce monde. Et nous sommes tous liés à lui. Alors on plonge. Hugo, approchez-vous.
suis vivante. Vous aussi? Elle est cassée? Non, non, c'est juste... Est-ce que ça va? Sophia est blessée! J'essaie de vous rejoindre! Bouge pas! Je te l'avais dit, je suis pas faite pour la terre ferme. Quant aux atterrissages, c'est encore pire. Pardon. Ne t'excuse pas. Tu nous as tellement aidés. Lucas et moi, on avait déjà fait ça avant. Plus ou moins. Il n'y aura pas de marin à la fin de cette histoire. C'est triste. Va. Et reviens avec lui. On se reverra, toi et moi. Continue. Hugo est tout prêt. Trouvez Lucas d'abord. C'est vraiment toi. Amicia, je suis là. Hey. Et Sophia? Elle ne peut plus marcher. Il n'y a plus que nous deux maintenant. On peut y arriver. Tu vois, elle porte mieux toujours debout en contrebas. Les rails vous tournent. On se rejoint là-bas. Oui, mais attends, attends. À la moindre erreur. Je sais. Mais j'ai compté et ils ont toujours le même rythme. On peut tenter le coup entre deux vagues. Seigneur. D'accord. D'accord. Quand tu veux. Ne t'inquiète pas. Je serai derrière toi. Je crois. Pour combien de temps?
Il est là, Lucas. Regarde-toi, caché sous une couverture, comme quand t'étais triste. La nébula se condense autour de lui. Ça doit être terrifiant là-dedans. Tu sais ce qu'on va y trouver ? Difficile à dire. Essaie d'imaginer un creuset géant où la macula, Hugo et la nébula ne font qu'un. Les visions d'un enfant trahi qui s'évapore dans l'atmosphère et change le monde. C'est ça le dernier seuil. Les lois de la nature n'ont plus cours. Alors on doit le traverser aussi. Pour atteindre ton frère, oui. D'accord. Respire un grand coup. Les phénix, ils signifiaient quelque chose. Ils montraient la voie. Ils mènent sûrement à lui. Est-ce que je perds la tête ? Hugo ! C'est toi qui fais ça ? Les lois de la nature n'ont plus cours. Oui. Accroche-toi à ça. Est-ce que c'est toi qui les as mis là, Hugo ? Non. C'est toi. Merci, Seigneur. Où es-tu ? Je suis là. Tout proche. Je ne te vois pas ! Parce que tu regardes encore en arrière. Il n'y a que ces oiseaux ici ! Ils montrent la voie, n'est-ce pas ? On a essayé cette voie, Amicia. Et c'était un mensonge. Oui, c'est ça, je pense. Continue. Qu'est-ce qui m'arrive ? Je me sens... Je sais que tu es perdue et effrayée, mais je suis là. Je ferai tout ce qu'il faudra. Je veux te voir. Non. Allez, plus haut.
t'ai vu te battre tellement souvent. Ne t'inquiète pas, je vais les avoir. Tu ne vas jamais arrêter de te battre. C'est eux ou nous. Je n'ai pas le choix. Si, tu as le choix. Mais ça te fait peur. Ils sont trop nombreux, Alicia. Mais pas pour moi. Et ça me fait mal de devoir te battre comme ça. Comme avant. Comme quand chaque bataille comptait. Elle compte toujours. Elle compte. Je vais avancer. Ils s'arrêteront pas. Arrête de jouer les durs. Ça ne te réussit pas. Voilà. J'ai compris. Ça sert à rien. J'abandonne. J'en ai assez de tout ça. Assez de me battre. S'il te plaît, j'ai besoin de te voir. Je suis fière de toi. Où es-tu? Je suis là. Hugo, viens, viens. J'ai cru que je te reverrais jamais. Moi aussi. J'ai eu tellement peur. Mais t'y es arrivé. Tu peux marcher? Oui. Oh. Tu sais comment sortir d'ici? Oui. Suis-moi. Oh. Oh. Allons-y. Quittons cet enfer. D'une façon ou d'une autre. Amicia, je croyais que tu étais morte. J'ai vraiment cru. Je sais. J'ai cru que... j'étais tout seule. Alors j'ai fait une bêtise. Hugo, on a fait tout ce qu'on a pu. Mais c'est une grosse bêtise. Plein de gens meurent maintenant. Je le sais. Et... c'est que le début. Il faut qu'on parte d'ici. On peut encore arrêter ça. Trouvons la maison de mère. Et commençons à vivre. Pour de vrai. Mais... on l'a mérité. Cet endroit... me dit quelque chose. La sortie est par là, tout au bout. Bonjour. Est-ce qu'on peut vous aider? Bonjour. Je vous ai déjà vu. Hé, qu'est-ce qui vous arrive? C'est le garçon. Il l'a tué. Je suis désolée. Tué? Mais quoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai. C'est moi qui l'ai fait. Comment? Je vois aucun rat. C'est la bêtise que j'ai faite. C'est ce que je suis devenue. Ne restons pas là. Viens. On doit arranger ça, Amicia. On va trouver une solution. Mais d'abord, il faut partir d'ici. Oui. Regarde-les. J'aimais tellement cet endroit. Et ces gens. Tu dois arrêter ça. Mais je peux pas. Concentre-toi. Tu l'as déjà fait. Tu as déjà tout oublié. C'est un mensonge. C'est la Macula qui nous joue des tours. Je suis la Macula maintenant. C'est moi. Quoi? Non. Tu savais que ça pouvait arriver. C'est trop tard. Non, non, non. J'ai laissé la Macula prendre toute la place. Et voilà ce qui se passe. Je sais. On doit faire quelque chose. Il faut empêcher les gens de mourir. Peut-être que si on s'en va, ça s'arrêtera. Hugo, ça peut s'arrêter? Je les mange, Amicia. Pas seulement eux, mais tous les autres aussi. Et toujours plus à mesure que les rats se répandent. Alors, c'est la fin? Pas encore. Il nous reste une chance. La toute dernière. Dis-moi, je ferai n'importe quoi. Je crois que tu le sais déjà. Je... tu dois m'arrêter. Pour arrêter la Macula. Hugo, tu peux pas... me demander ça. Tu es la seule à pouvoir m'empêcher de devenir un monstre. Tu n'es pas un monstre. Je vais le devenir. Si je tue tout ce que j'aime, toutes les belles choses que tu m'as montrées. Je comprends, mais... s'il te plaît. Je vais essayer. Et maintenant, Hugo, où es-tu? Où es-tu? Je suis désolée, mais tu es prête maintenant pour tout sauver. Prête? Comment je pourrais être prête? Je sais,
Mais je ne peux plus m'arrêter. Il n'y a que toi qui peux le faire. Hugo ! Je t'aime. J'ai été heureux avec toi. Au revoir, Amicia. Je t'aime. Je t'aime tellement. Mais quand tu seras parti, il ne restera plus rien. Je serai seule. Toute seule. Je peux pas. Je suis là. Oh, non. Tu peux te lever? Oui. Il est là. Oui. Tu sais ce que tu dois faire? Oui. Amicia, on y est. Je sais. Amicia. Je sais.
ça semble plus haut à chaque fois. Oh, Sophia, tu es venue. Bien sûr, je voulais pas rater ça. Attention, je sens le vieux Book. Alors dans ce cas, bienvenue chez toi, vieux Book. Comment tu te sens? T'es prête? Oui, je crois. Alors on n'a plus de temps à perdre. Attends. Bien, allons-y. Comme tu veux. J'ai laissé les chevaux plus haut. Alors, qu'est-ce que t'as fait ces derniers mois? Je marche, je répare la maison. J'essaie de m'épuiser. Et ça marche? Ça va mieux. Ouais. Bien. Je me suis beaucoup inquiétée, tu sais. Je vais bien, Sophia. Ça fait un an. Oui, déjà. Et comment vont les affaires? Ça va. Je fais dans le commerce légal ces temps-ci. Oh! Comment ça se fait? Eh bien, j'ai envie de vivre plus longtemps. Ah oui? Je préfère une mer d'huile à une tempête. À propos, on lève l'ancre demain. Parfait. Parfait. Et notre alchimiste vient? Lucas? Oh, non. Il est encore sur la route, à étudier. Tout seul? Il grandit si vite. Il en avait besoin. Ouh, ça se rafraîchit. Attends le pas, ça nous réchauffera. Alors, tu sais vers quel rivage tu veux qu'on t'emmène? Pas encore. Mais je pense que je le saurai quand je croiserai les signes. De la macula? Oui. Elle laisse des marques sur les choses et les gens. Je pense pouvoir trouver où les prochains porteurs et protecteurs verront le jour. Le prochain fléau. Je veux leur montrer la voie, comme Aelia l'a fait pour nous. Inutile que je te dise de te reposer, alors. Exact. Très bien. Oh, ça sent si bon. Et ce silence. Ouais, ça va me manquer. Oh, on arrive. Les gars, voici Amicia. Soyez gentils. C'est un grand jour. Salut. Tu peux m'attendre un peu? J'ai une dernière chose à faire. Vas-y, je ne suis pas pressée. J'ai encore mal au dos avec cette route. Pas de tempête en vue? Je n'en vois aucune à part toi. Ça ne prendra pas longtemps. Ça va aller. La mer va me sembler tellement plate après ça. Oh.
Tu y es presque. Salut. Il ne venait jamais ici avant. J'ai toujours su... tu te ferais facilement des amis. J'étais pas sûre d'être prête. Mais... Sophia est là. On n'a jamais abandonné, pas vrai? On a tenu. Puisse cette terre se rappeler à quel point tu l'aimais. Puisse-t-elle se rappeler tout ce que tu as donné pour la sauver? Je m'en souviens. Et je ne laisserai personne l'oublier.